est reparti. Salut à tous, salut YouTube, bienvenue sur un nouvel épisode de Jurassic World Evolution 2. On continue le mode théorie du chaos à Jurassic Park en 1993. Notre parc continue de s'agrandir. Bon, c'est toujours des enclos carrés hein, avec moi, vous commencez à me connaître. À moins qu'il y ait un scénario qui spécifie certaines choses. Mais bon, globalement, on est pas mal. Donc là, on va continuer de faire nos recherches dans le parc. On va continuer à chercher des fossiles de Rex pour faire notre objectif. Donc on va y aller tout de suite justement. Le T-Rex est à 73%. Donc 7 sur 13. 7 et 4, 11. 3 millions 4, ça coûte, mais bon. Ensuite, au niveau de notre personnel, on va faire une petite gestion parce qu'on voit que certains sont pas très, sont très contrariés. Donc on va tout de suite changer ça. Le véhicule là était endommagé. Ah, un autre dinosaure a été tué. Donc c'est ce dernier compi ici. Fallait s'y en douter. Donc les pardos sont prêts pour l'incubation. Eh bah c'est pas mal tout ça. Bon, il y en a juste un qui a pas de très truc, mais pourquoi pas. Alors ce sera incubation plus rapide pour avec Dagger. Donc on va avoir 5 nouveaux Parasaurolophus ici. Ce sera plutôt cool. Ah, le confort est de 85, à mon avis, c'est qu'ils sont pas assez nombreux. C'est ça, ça doit être ça, à mon avis. Hein. Très bien. Transférons par pont aérien. Voilà. Plus de hadrosauridés, mieux c'est. Alors, expédition, qu'est-ce qu'on a? 40 000, 80 000. 260 000. Donc là, on va gagner 15% en plus sur le T-Rex. On va affecter les scientifiques. Alors, ce sera extraction plus rapide. Au niveau de nos scientifiques, il y en a. Vous deux, là, vous êtes contrariés. Congé, 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 congé. Voilà, on fait gaffe quand même. Hein. Donc là, on va être pas mal. Donc là, on est monté à 847 000. On va se rapprocher petit à petit de l'objectif. Donc là, l'argent va vite monter. Hein. Regardez, on fait 38 000 quasiment par minute. Sur deux, ça fait 241 000 de revenus. Alors je vais voir si on peut pas améliorer certains trucs, on sait jamais. Parce que là j'avais mis des petits commerces, hein, si je dis pas de bêtises. Alors est-ce que je peux encore les améliorer ou pas? Donc là pour le moment il n'y a rien à faire. Ah, j'ai un dino mort, c'est quoi? C'est un autre paraso, ouais, il fallait s'y attendre. Hein. On a bien fait de les transférer. Hein. Donc là, ils sont tous en train de mourir les uns après les autres ici, mais ça va aller. Donc là, ça fait qu'il nous en reste 7, si je dis pas de bêtises. Ouais, ils sont encore 7, c'est pas mal. On n'a pas de Styracon, on n'a plus de Dryosaurus. Alors, eux, ils s'entendent bien avec tout ce qui est ankylosauridé, mais bon, ça, c'est pas mal. Donc les Oplocéphalus par exemple, eux ils s'entendent avec sauropodes, ankylosauridés, stégosaures. Donc les struciaux sont assez polyvalents au niveau là. Eux les styraco ils aiment que les ankylosauridés mais pas les ceratopsiens. Donc tout ce qui est autres triceratops et stégosaures, c'est un beau casse-tête ça aussi. Donc genre tu les fous à deux là, tu fous tricé, non tu fous Oplocéphalus, styracosaure. Est-ce qu'on n'a pas l'ankylosaure de base hein, j'ai l'impression, non. Donc là on a beaucoup de dinosaures encore entre guillemets manquants, donc on a l'Archaeonitomimus qui est une sorte de gallinacée un peu comme le Strucio et le Dryosaurus. Brachiosaur, Camarasaur, ce sont des brachiosauridés un peu. Célophysis, un petit carnivore, je crois que c'est du Triassique lui, si je dis pas de bêtises. Diplo pareil, gros sauropode, Gallimimus pareil, une sorte de gallinacée.
Gigante, Spinosaur, c'est un, je dirais, à vue de nez comme ça, c'est un stégosauridé. L'iguanodon, iguanosauridé, un truc comme ça. Et après, on a encore des gros carnivores. Le Majungasaurus, le Suchomimus, le Mégalosaure, un Protocératosaure, Stégosaure. Après, on a Rex aussi, hein, qui va devoir débarquer. Hein. Mais en vrai, si on fait 1 000 000 sans le T-Rex, ça serait quand même pas mal. Hein. Ça serait un beau coup de poker. Bon, on va voir où est-ce qu'il nous demande encore des commerces supplémentaires. Et au niveau des recherches, là. Manipulation génétique, il nous reste quoi? Tu sais quoi, on va faire cette dernière recherche ici. Alors, recherche plus rapide, ok. Et moins coûteuse peut-être. Allez. Comme ça, on aura tous les trucs de base ici. Ah ouais, il y a le dilo là qui est, qu'il faut soigner. Alors niveau cinéma, on a un double truc, c'est cool. Alors, ensuite, recherche. La galerie panoramique coûterait combien? 200 000? Alors, il va nous falloir 5 comme ça. Recherche plus rapide. Allez, on va optimiser tout ça, bien sûr. Donc là, le dilo est en cours de transport. Ça, c'est déverrouillé. On va enchaîner les recherches un peu. Bon, on a de l'argent, mais si on peut les faire tout de suite, autant en profiter. Au niveau des... Alors, visiteurs, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Je pourrais passer sur une artère principale, tu me diras. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Bon, le petit Rex, là, il va arriver. On va attendre un petit peu avant de l'extraire. Hein. 50 000 juste pour ça, je trouve que ça serait un peu dommage. Mais si on arrive à vite avoir les derniers pourcentages montants de son génome, on se mettra bien. Parce que pour Rex, il va nous falloir aussi ça, là. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, mais je pense qu'on va peut-être commencer par ça. Hein. Alors on va partir sur recherche, ça et ça. 3, il manque 6 points. Alors lui, ça va, il s'en sort. Alors, viens à toi. Bon, notre Dilo, il va être soigné. On va le renvoyer avec ses congénères. Parfait. Donc là, on a la clôture principale. Donc ça, c'est préparé pour Rex. Je pense que Rex, il va avoir une belle zone ici, vous voyez. Il va être peinard. Je renverserai le lac, je le mettrai en haut. Mais il aura de l'espace, il pourra gambader, il pourra faire tout ce qu'il veut. Donc alors, là, on a une grosse proportion de visiteurs nature toujours, ça c'est cool. Alors j'ai regardé juste un peu par curiosité. Alors les toilettes, ça donne quoi? Bah globalement on est bien. Hein. Il y a juste là que ça pêche un peu, on va dire. Je vais devoir renforcer mon électricité.
Voilà, comme ça génère très peu de choses. Je vais tout de suite relier. Voilà. Attends, il n'y a plus d'électricité, tu rigoles? Ah, j'ai pas mis de poteau électrique, peut-être c'est ça. Ah bah oui. Bah ça c'est con. Parfait. Protection contre les orages, on va mettre. Je crois que je vais faire ça pour toutes mes petites centrales. Hein. Coûtait cher, mais bah tenez, la preuve, j'ai bien fait de le faire, on dirait. Allez, c'est parti. Arrière général. Comme ça, là, on est bien. Alors, on a des bâtiments qui ne font pas. Oula. Ça pue. Par contre, si les raptors commencent à s'agiter, j'essaie de calmer mes raptors, mais ça va être chaud. Va réparer là, toi. C'est la tempête du siècle, les gars. Bon, très bien. On a réussi à s'en sortir. La tempête n'a pas été si dévastatrice, on va dire. Par contre, là, non. Où est la deuxième voiture? C'est pas la priorité. C'est ça la priorité, là. Hop, on va fermer tous les abris. On a une porte out. Toi, là. EMV. Bon là c'est normal parce que bah réparation obligée. C'est pas mal du tout, il nous faut continuer à réparer. Hein. Il a quoi lui là? Bon, c'est bien, ça remonte, ça progresse. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils ont besoin, nos visiteurs. Ils ont besoin de bouffe hein, quand même. Voilà. Là, on va développer un peu ce secteur, même s'il y a beaucoup d'herbivores, c'est peut-être pour ça, tu me diras. Alors, je vais voir un peu ce qui nous attend. Alors, on a beaucoup de riches. On a beaucoup trois classes différentes. Alors, c'est quoi qui a rapporté de plus? Alors, public. C'est peut-être pas le bon truc, tu me diras. Bon, on va le détruire, il sert à rien parce que je sais pas. Admettons, si c'est pour 54 visiteurs, autant partir sur un petit commerce. On va jouer aussi sur la petite taille, hein, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qui est mort encore?
Ah, ça y est, maintenant c'est les Struciaux qui s'en vont. Et l'autre qui se blesse, ok. Va-t'en viser un compi avec ça. Bon, on a un peu d'argent ici, on va configurer, on va changer un peu. Alors, ce sera soda. Point d'eau, c'est cool aussi. Bon, c'est pas mal du tout comme ça avec ce petit coin. Là, on se fait un peu d'argent supplémentaire. Alors, les Struciaux, on va en remettre. Donc, ce sera deux. Incubation. Non, ça, c'est pas ça, c'est synthèse plus rapide, toi. On va voir un peu où on a le génome de Struciaux. Je sais plus si on l'avait modifié, je pense que oui. Ouais, on l'avait modifié. Extraction plus rapide, non, c'est synthèse plus rapide, oui. Alors, section des œufs. Ces trois-là sont nerveux, je vais pas les prendre. Non, on va pas te mettre toi. Juste quelqu'un qui a un. Ah bah parfait, comme ça on l'enverra en congé lui. Il fera moins la gueule. Donc là on va rajouter du Struciaux. Transporter par pont aérien les camarades. Alors ils sont où? Alors je fasse pas de conneries. Compi tricé, c'est au sud, c'est de l'autre enclos. Bon, la distribution d'électricité, ok. Voilà. 4 Struciaux de plus dans l'enclos. Et là, je vois qu'on a assez pour aller chercher le Rex. Alors, expédition plus rapide. Influence positive. Et deux de logistique, on va partir sur. Hop. C'est pas mal. Et lui, on va le renvoyer avec les autres. Bon, je vais pas foutre, je sais, le T-Rex, ça on fout pas avec les Raptors, qu'on soit bien d'accord. Allez, 881 000, on s'approche des 900 000 là. Donc pour ceux qui ont la référence, le million, le million, le million. On va y arriver, hein. Bon, très bien. Extraction plus rapide. Scientifique. Voilà, hop. Ça, c'est le risque de sabotage, ok. Bon, pour le moment, le risque est bas, hein. Je vois pas qui pourrait nous saboter à l'heure actuelle. Mais bon, on se méfie quand même, bien sûr. Le Rex, un génome complet.
Alors, je vais juste voir un truc pour la carte. Je sais comment on va faire donc l'eau. On le prépare tout de suite. Ça va être la vallée du Tyrannosaure. On va essayer de refaire un peu ça comme l'esprit du premier Jurassic Park. Pour ceux que ça intéresse. Allez, on a gagné 10% de plus là. Notre parc est en train de devenir le vrai Jurassic Park aurait dû et qu'il aurait dû être. J'ai cru voir une personne avec un t-shirt avec un sourire aux grandes oreilles. Une souris aux grandes oreilles. Ah. Mais vous fumez, monsieur. Faut vous calmer, monsieur, sur certaines de substances. C'est du timé, moment, je sais plus quoi faire. Et là, il faut aussi que je recouvre le. Dino mort, où ça? Non, ça va, c'est pas là. Ah, c'est un autre parazo encore. Non, je surveille le sabotage. Bon, ça va, le risque est faible, Momon. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Alors, par contre, attraction. Est-ce que je fous une visite? Bah, justement, c'est un T-Rex. Je suis con. C'est un T-Rex. On va lui faire faire une petite visite. Attendez, ça va venir la piste, alors ne paniquez pas. Je vais faire un grand poste électrique si je peux. Ah, j'ai pas la recherche encore. Tu sais quoi, on va vite corriger ça. Alors, les spécialistes en recherche, il est où? Et tu sais quoi, on va rajouter quoi? Un grand hôtel. Baf. On va rajouter un bunker parce qu'on est à un côté de l'enclos du T-Rex, alors on va être cohérent. Et on va rajouter des toilettes. Ça me semble être un bon point de départ. Pas mal. Là, on va être pas mal. Oula, il y a une épidémie, c'est ça de chez les gallinacés là. Alerte générale. Ah non, j'ai déjà perdu tous mes strucios, ça suffit. Et je pense que je vais ouvrir une seconde équipe, moi, de EMV. Je pense que là, je vais commencer à en avoir besoin. Parfait. Voilà. Ah, ils ont quoi, ces gus? Ils ont la rhinite, ça se soigne? Je sais plus. Ah, ils ont le Covid ici. Ah bah bravo. Par contre, mon EMV là, tu vas me surveiller les pachyrhinosaures. Rhinite, ils l'ont tous, hein.
On avait dit des gestes barrières et masques pour des dinos. Voyons pas. Dis ça aux raptors surtout. Bon. Très bien. On va faire une piste pour le petit futur T-Rex de la maison. En vrai, là, en son, c'est pas trop compliqué. Hein. Voilà. Ah bah. Oh, la rhinite. Ah non, mordillé, ça va. Alors. Je peux pas les retirer. Ah, quand même. Bon, bah, on va en refaire des remplaçants. Le Strucio, ça se produit vite et bien. Ah, Kodan a une pathologie indéterminée. Donc, ce seront des experts en synthèse. On va sélectionner des œufs. Let's go. Incubation plus rapide. Boum. Mitrandir, il a patient 0. Ah non, Mitrandir, ça m'étonnerait, il était loin. Ça, et ça, et en plus, monsieur, vous dénoncez sans preuve. Hein. C'est peut-être vous si le patient 0, on sait jamais. Hein. Bah tiens. En plus, ça roupille à cette heure-ci. Hein. Bah, c'est du propre. Ah, par à vous. Ah, un autre paraso est décédé. Oh, ça arrête pour en ce moment. Alors, paraso, il m'en reste combien? 5, ça va. Et rien que parce que j'ai envie de faire un parc digne de ce nom, je peux mettre une autre couveuse ou pas, tu vois. Je peux mettre une seconde couveuse, j'espère. Allez. Comment ça, obstacle? Très bien. On va, le coupable, c'est toujours celui qui dénonce. C'est pas faux. Et je pense que ton métier peut te permettre de peut-être te dire ça, mais t'en dire. En tout bien tout honneur, évidemment. Moi, je dis ça sent le vécu. Voilà. Ouh, il y a une pathologie non diagnostiquée, celui-là. Très bien. Alors, qu'est-ce qui est encore décédé, là? Compi. On aura bientôt récupéré. Non, non, moi, j'étais mort, donc coupable. Ah bah, écoute... Alors, on va voir un peu pour notre ami Rex. Modifier le génome. Alors, est-ce qu'il avait des points faibles? Ouh. Ok, donc 8 points déjà. On va en virer 3 là. On va en virer 2 là. Ça fait... Il nous reste 3 points modifiés. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Il y a un bonus de force. On va le monter à 50. Et je pense qu'un bonus de longévité pour un T-Rex, pour moi, c'est pas déconnant du tout. Je vais modifier le T-Rex à 3266. Et bah tu sais quoi, on va lancer l'incubation du T-Rex. Il va nous falloir 17 points. Ouf, synthèse plus rapide, 8 et 7, 15. Et influence positive. Aïe. Rex, ça arrive, messieurs, dames. Pour ceux qui savent patienter.
Alors, sélectionnons des œufs. Oh, on a deux œufs viables, mais. Oh. Bon, on va recommencer, hein. On va recommencer. Alors, il nous faut 8 et 7, 15. Allez. Deuxième essai, espérons que ça se passe un peu mieux. Donc là, on n'a plus beaucoup de carburant, on va réapprovisionner complètement. Alors, ils sont malades de quoi là? Allez, espérons que la deuxième sera la bonne. Un œuf est viable. Bon. Bon, bah on va faire avec. Alors, il va nous falloir 13 de bien-être. Alors, 7. C'est parti. Bon, bah, on aura un T-Rex vampirique aussi, mais bon, là, ce sera pas possible. Là, il y a déjà le nom qui était pré-choisi. Ouh, par contre, là, ça pue un peu. Mais lui, il a quoi encore? Commotion cérébrale. L'arénite n'existe plus, très bien. Il va nous falloir aussi un contrôle de routine, tiens, j'ai oublié. Voilà. Peut-être que je vais rajouter aussi une équipe de garde ici, tiens. Ah, ça y est. Ah. Oh, un dinosaure mort, c'est quoi ça? Un autre raptor, ok. Cible en cours de récupération. En route pour récupérer le... Alors, ensuite, on va faire la recherche pour améliorer le personnel. Où est-ce que c'est ça? Il nous faut 16 de logistique. 8 et... non. 7 et 4, 11. Bon, on n'a pas assez de logistique. Alors, on va voir peut-être pour... on va rajouter Ad là pour ses points. Mais bon. Là, il est l'heure, mesdames et messieurs, de transférer la nouvelle star du parc, une nouvelle attraction 5 étoiles. J'ai nommé le seul et l'unique, la roi des lézards, le appelé aussi lézard tyran. Je vous présente le Tyrannosaurus Rex. Eh, souris, mec, il y a un stream. Oh oh, je vais vite enregistrer. Évidemment, le scénario, hein, lol. Vous appelez. Toutes les portes sont ouvertes. Faites quelque chose. Vite. C'est terrible. Les dinosaures ont accès à tout le parc. Et aux visiteurs. C'est un problème technique? Ou un problème avec nos codes de sécurité? Nous essayons d'obtenir toutes les informations possibles. Je ne comprends rien à toutes ces lignes et à ces chiffres. Et ne me parlez pas des programmeurs. On dirait du sabotage. C'est peut-être une attaque interne. Il faut... Bon, on va le renommer tout de suite. D'urgence. Oui, oui, bien sûr. Notre priorité est de remettre les animaux dans leur enclos.
Il faudrait surtout assurer la sécurité des visiteurs en ouvrant les abris d'urgence. Voilà. Les deux vont de pair, n'est-ce pas? Très bien. C'est vrai. Alors, occupez-vous-en. Ne laissons pas périr notre rêve. Mon rêve. Sauver les dinosaures. Sauver les visiteurs. Et sauver Jurassic Park. Vite la porte, faut aller la débugger là. Oula. Malgré quelques problèmes mineurs, Jurassic Park prospère. C'est bon. Et ce, même si certains ne rêvent que de nous voir échouer. Ou de s'emparer de nos dinosaures et de nos recherches. Ce que les gens vivent à Jurassic Park est inestimable. Cela ne fait aucun doute. Mais je pense que nous pouvons aller plus loin et dépasser nos propres attentes. Nous allons augmenter le nombre de visiteurs. Voilà. Ça devrait améliorer notre note. Oui, et avoir plus d'espèces également. Ensemble, nous avons rendu les dinosaures au monde. Maintenant, nous allons amener le monde aux dinosaures. Oui, on va inverser les rôles. Il nous faut plus de ça pour Rex. Bon, ça y est, t'es ravi. Eh ben voilà. Souris, Rex. Ça, s'il y en a un qui voyait ça, je sais pas comment il le prendrait. Hein. Porte 5 a subi. Une coupure de courant, enfin porte 28, pardon. Bon, très bien. Maintenant, il va nous falloir augmenter ça. Comme ça, je vais pouvoir rajouter une équipe de garde ici. Maintenant, le plus dur à venir, ça va être les 5 étoiles. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Des commerces. Alors, admettons, commerce. Je pense que je vais tout de suite partir sur les grands commerces. Hein. Allez, let's go. Voilà. Donc là, on va essayer de monter le plus vite possible en grand commerce. On va mettre le plus de trucs qu'il nous faudra. Il va nous falloir beaucoup de choses là. Les 10 espèces, on est large. Donc là, il nous manquerait encore 156 246 $ de revenus pour terminer ce. Je pense que c'est la dernière étape ici. Les 10 espèces, on les a. On en a 11 sur les 10. On a une espèce de marge. Donc là, que fait notre ami? Notre ami, le King CG Rex, fait sa star, il fait son petit capricieux. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Qu'est-ce qui vient encore m'emmerder en train que je suis en train de dormir, hein? On peut plus dormir le jour ici, hein? C'est de la merde tout ça, hein? Commerce grand, alors. Nourriture, boisson, et boutique de cadeaux. Comment ça, contrainte de bâtiment? Parfait. Bon. Déjà, on va commencer par là. Alors, qu'est-ce qui va rapporter le plus de fric? Là, j'ai un bon 29 000 tout de suite. 31 000. Alors ici,
Oh, j'ai vu un 12 000. Attends, on va regarder jusqu'au bout. 12 504 pour les smoothies. Vive le président Desnedré est appelé au poste de sécurité. 12 552. Alors c'était combien là? 12 504 et l'autre c'était 12 550. Alors c'était pour les smoothies. 12 444. Let's go pour le café. J'ai vu un beau 35 000. Allez, on va y arriver les gars, petit à petit. Là, là il nous faut la boutique. Alors, qu'est-ce qu'on va rajouter? J'ai vu 39 000. Ok, exposition de squelette, très bien. Let's go. $59 000 pour un point d'eau. Eh, il nous manque plus grand chose, hein. Allez, plus que 51 000. Ça y est, c'est fini. Ouh. Bon, on a terminé enfin la première, le premier théorie du chaos. Eh, c'est pas beau ça? Ah, je suis plutôt content de mon parc. Hein. C'était peut-être pas le plus opti du monde, mais dans l'idée, il y avait des bonnes choses quoi. Bon, je vais... La VOD, donc, YouTube, on a réussi à finir cette première épisode de ma théorie du chaos. Il paraissait pas compliqué sur le papier, hein, bien sûr, mais on a réussi à le faire quand même, donc. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, les amis. Des bisous, on passera bientôt à Jurassic Park San Diego. Des bisous, ciao ciao.